Mesdames et messieurs, ici Boss Stadium. Nouvelle que vous attendez. Message que vous attendez. Abonnez-vous sur Boss Stadium. DG, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendel, bonjour tout auditeur, téléspectateur, Métropole et même internaute. Parce que dans une minute, ça a empêché le monde brûché. Oui, et surtout que, m'a profité de faire reproche publiquement, surtout DGPNH n'a pas passé dans le point, en tant que DDO, en tant que commissaire de Port-au-Prince, oui, je crois. Vrai. Mais comme directeur général, ou pas jamais passé dans le point, non, le point. Kaila, c'est Kaila. Oui, voilà. c'est vrai. Bon, et avant de commencer, il faut moi publiquement remercier le commissaire Gospel qui a porté assistance hier soir à un collaborateur qui était victime d'un braquage hier, mais par la suite, nous devons apprendre que le commissaire Gospel prend balle. Et dans Delma 95, question, est-ce que santé li stable? Plutôt stable, je suis abouché à soin et je garantis depuis à soir, je suis retourné sur la rue. Là, je suis capable de retourner. Mais ils disent que c'est dans Delma 95, c'est à des gens qui ont mis des caoutchoucs qui tirent sur la police. Depuis l'intervention hier, et DCPA, tout directeur départemental, les responsables de commissariat, les responsables des unités spécialisées de la PNH, yo mis en application plan de sécurité que nous-mêmes nous avons adopté dans le jour ça par rapport justement à des rumeurs et des menaces de toutes sortes et que nous-mêmes nous attendons dans la rue. Donc c'est dans le cadre de marche ça justement, le commissaire là lui-même est victime. Mais ça n'a pas intimidé nous. Et nous conscients de responsabilité, nous. Et nous entendre continuer à faire le job, nous, dans ce respect de la loi. Donc, j'en parle là, c'est comme si je n'ai même besoin d'attendre que je fasse le point comme à l'accoutumée, côté que vous avez une bonne trentaine de minutes pour rassurer mon nom. Ça veut dire que les gens qui suivent nous là, même les gens qui font gros barrage devant la caillou, ils doivent mettre démolir, ou bien les gens doivent mettre préparer pour sortir dans la rue demain si Dieu veut. Et. La police a assumé responsabilité cette fois-ci. Alors, m'espérer cette fois-ci, pas de trop. Alors, 17 octobre. Cette fois-ci, en de trop. Il faut me courir quand même, parce que la dernière fois, il nous a pris le soin pour nous préciser et ensemble d'obstacles ou de vulnérabilités par rapport à dispositifs que nous-mêmes nous avons envisagé pour nous mettre en place. Il faut de vulnérabilité, ça y est. Et la PNH ainsi que la MINUJUS, qui c'est un partenaire de l'institution policière, nous t'y prenons par surprise. Et tant bien que mal, si vous reprochez nous, dans tant de réactions, yo, mais et actions que nous posons sous terrain ont empêché le pire, même lorsque il y a eu quand même des cases de trous. Et tu as gagné des scènes de pillage, tu as gagné des endroits. Que négoté déchouqué vulgairement que nous-mêmes nous pas souhaité mais lorsqu'on compare ensemble des bâtiments d'édifices ou de monde que nous t'ai empêché qui était victime il y a lieu à ce moment-là pour nous t'ai parler d'une certaine satisfaction conscient justement de ça qui t'est passé et enseignement que nous tirer de nous-mêmes. En tout préciser pour auditeurs et téléspectateurs, là, on a parlé des événements du 6, 7 et 8 juillet. Voilà. Donc, enseignement tiré de l'événement ça, aujourd'hui, il est question d'avoir un plan pour prévenir ça. Mais tout faut avoir un plan de contingence au cas où ça arrive, comment ou même pour réagir et dans quel délai pour réagir. Et qui fait que ou bon institution aujourd'hui qui est mieux armée, mieux préparée pour capable adresser un ensemble de défis dont le défi de semblable ça s'est passé les 6, 7 et 8 juillet dernier. Mais moi même c'est tout c'est une occasion et idéal que le point lui-même lui offre là pour nous capables rentrer dans la logique de communication, de dialogue avec mon yo. Parce que faut
ou pas sans savoir que il y a des monde qui réagit. Il y a pas même qu'on ça à faire. Il y a juste quitter monde parler avec yo, yo laisser on influencer puis yo rentrer dans spirale de violence que peut-être yo ka regret après. Donc bon, c'est autant que nous même nous préparons avec tout matériel et équipement pour l'isla gagner et que la loi bah nous pour faire job nous, mais nous pensons communication en tout l'important. L'important. Par exemple, hier dans l'intervention, nous avons eu un mot de dit. Jodian, ou entre dans la logique faire des hommes. Faire violence pour capable atteindre l'objectif. Et comme ça, nous avons toujours fait l'objectif une fois atteint. Nous avons pris le ranger au bon côté la police qui t'a gommé contre ce qu'on a fait dans le temps. Pour lui-même l'empêcher l'autre monde qui en face ou rentrer dans la logique de violence. Donc, violence n'est pas bon. Qui compte monde ou pas capable de construire un pays dans la violence. Violence pas mené nous aucun côté. Depuis 1986, nous témoins, nous vivons. Construction faite, construction détruite, pays en rété dans le même état. Et nous avons un pays plus pauvre dans l'hémisphère là. Et je vous dis, la PNH, l'irrité est une institution qui est plus solide dans le pays. Donc c'est responsabilité moi-même pour me gommer, pour me conserver à qui ça. Et empêcher justement que la police en ligne une ligne qui est capable d'avoir une incidence même sur le fonctionnement de la société. Là, on a parlé de police qui paraît. On a adressé la question moyenne. Comment ça y est, je vous dis? Est-ce que la police est vraiment Paris en termes de moyens, en termes de ressources humaines, en termes d'effectifs, si vous préférez, pour prévenir et réagir? Et gagner depuis l'événement 6-7, où il y a une mobilisation, et ceci à tous les niveaux, que ce soit au niveau des partenaires internationaux et les hommes du secteur privé qui, conscient que pour les gens, il y a une pile faiblesse, et précarité moyen ou fait justement pour ensemble de problèmes va adresser gens là doit adresser dans niveau autorité centrale yo gouvernement même la présidence yo conscient que si gagne yon effort pour qui fait c'est supporter le plan stratégique de développement 2017-2021 PNHA que l'état entre autres gagne en contribution à plus de 65% la donne et les bailleurs à environ 35%. Et là, je vais me faire tirer. Sous ça, qui fait que justement, il y a des problèmes où il y a toujours paraît. Et l'État, dans 65% que lui-même a appelé à contribuer pour l'exécution du plan, ça, il répond à moins de 5%. Les bailleurs eux-mêmes qui gagnent pour contribuer à 35%, ils répondent à 14,89%. Donc, dans des conditions comme ça, c'est extrêmement difficile pour la police lui-même n'est capable de bailler service de qualité que lui-même n'est appelé à bailler là. Mais effectivement depuis l'événement ouais on tire sur quoi qu'a fait tout le monde conscient que faut que supporter PNH parce que tout passe par la sécurité. On parle d'investissement, on parle de développement, faut gain sécurité. On pas gagner on fait là en pays c'est pas gain sécurité. Pour encourager le monde à investir dans le pays, il faut gagner sécurité. Pour gagner tourisme dans le pays, il faut gagner sécurité. Donc, à un niveau plus haut, à un plus haut niveau dans l'État, tout le monde est conscient qu'il faut que supporter le PNH. Il y a des efforts qui sont faits. Je vous dis, nous gagnons moyens, mais pour le monde, ma et forme de gestion par nous en fait que nous aller plus vers des stratégies d'abord ensuite les moyens parce que sous pas une stratégie ou cap charger équipement ou cap charger moyens et puis tout pas cap résultat. Donc DG et toute son équipe ont équipe de choix, ont équipe select, ont équipe technicien qui connait ça à faire hein, accoucher des plans et stratégiques pour nous capable adresser toutes sortes de problèmes. Et puis, mais qui moyen a bien besoin et nous demander et autorité au moyen, yo gain qui commence à venir et même Abdou honnêtement avec ou sans grand moyen, la PNH est prête et la PNH doit être prête.
Là, on a parlé de la PNH, mais est-ce qu'on est capable de dire que la PNH pas pour compte li, la PNH qui est menu juste bon côté li? À quel moment est menu capable d'intervenir si on a un problème? Ok, ça li rentre dans le cadre stratégique, tactique, stratégique, qui pas obligé public, mais nous assurer nous dans le niveau. Alors, bon, formuler nous l'autre genre. Mm-hmm. Est-ce qu'à un moment donné, la PNH capable de compter sous MINUSJUS? Définitivement. Et nous sommes toujours comptés sous lui et nous encore là. Mais ça explique par exemple 6, 7, 8, nous n'avons pas de senti MINUSJUS. C'est vrai que la police, là, d'après l'information que baille, l'information qui est publique, il n'y a pas d'informé nous à temps de ce qui va passer, qui fait que nous prenons temps pour nous réagir et pour tes réponses. Et c'est ça que tu as fait, que tu as gagné des dégâts en fait. Mais la MINUSJUS, tu es là. Est-ce que son problème de coordination t'est posé? Non. Est-ce que tu même tout, tu as pris de cours? Qui est-ce qui t'est passé? C'est tout le monde net qui t'est pris à défaut. Ok, parce que personne ne peut pas t'attendre à ça. Et la question que tu as posée, nous, mais d'où c'est la première fois que PNH t'es une question, t'es venu jouer comme ça. Ou jouer des barrages à chaque 5-10 mètres, et c'est un gain qui est plus costaud que l'autre. Gain ou jouer plus résistance là-dedans par rapport à l'autre. Et nous pas habitués avec ça. Donc il faut que tu joues une formule rapide pour être capable de répondre à la question ça. Et MINUSJUS lui-même tout les papas. Écoutez, ce sont des étrangers qui là en appui à l'institution policière et suivant le mandat que vous avez, vous n'avez pas un mandat pour intervenir. Nous avons débat dans le pays là en support, en soutien à la PNH. Donc ça, c'était à la PNH de définir une stratégie et puis tout même y a pas compris. Et c'est ce qui a été fait. Et automatiquement que nous avons une formule et équipement qui était manqué, ou même qui était mis à contribution. Et ils ont là en support justement à la PNH. Comme je vous dis, il y a tant de qui ça au même pour le faire. On a eu des rencontres, que ce soit moi-même avec homologue moins ou DCP avec son homologue, et pour nous définir un plan, l'un fini au dit mes côtés ou même le cas contribuer, mes côtés au cas aider. Ils ont toujours ensemble avec nous. Événement 6, 7, 8, yo fait mettre haïtien yo. Haïtien, le simple citoyen ou les hommes d'affaires, le mettez ou non en situation de panique. Justifié ou non justifié, ou bien de peur, de psychose. Et il y a plus de monde qui va souhaiter revivre ce qui s'est passé. C'est ça qui fait qu'au début de l'entretien, directeur Michel Angéléon nous parle, nous dit que il y a des gens qui a fait aussi de gros clôtures devant porte-magasin. C'est dans l'éventualité d'attaque. Il y a de côté, je dis, si vous passez devant la banque, vous parlez de quelqu'un. Paquet de monde qui pourra faire provision, mettre la caillou en mémoire de ce qui s'est passé. Donc, on n'a pas même besoin de rappeler qu'il y a une peur qui s'installe. Ou font intervention hier, ou bien garantie que la police n'a pas assumer responsabilité. Il est toujours assumé, le Wanda. Oui, il est toujours assumé, sauf que peur ça, ou pour qu'on arrive à retirer. On a aimé pour profiter de l'espace ça et pour retirer angoisse qui n'a que haïtien cap vivre alors si possible hein, et cap suivre nous là haïtien cap suivre nous aujourd'hui on t'a rien connait est-ce que d'ailleurs il y a des programmes qui annulé qui a fait la soirée là il y a des dégâts qui enregistrés dans quelque côté déjà matin très calme certes la police très présent mais il y a des paroles haïtien on t'a promis tendez directeur général. Bon, alors, forme du Wendel, nous conscients que préoccupation ça a existé. Mais, ou abda quoi avec que, je veux dire là, tout ça qui a un rapport à sécurité, vie et bien, dit de l'ordre de la PNH, il n'y a pas sorti de là. Et nous-mêmes conscients de ça, nous rentrons. Depuis début semaine, nous avons une logique de communication ou interaction vraiment intense entre PNH et population pour nous capables de rassurer. Il y a porte-parole, il y a d'autres responsables de police qui participent dans plusieurs émissions pour être capables de rassurer l'ensemble des dispositions. Mais là encore,
équipe cabinet et nous constater une fait même lecture qu'on fait à que malgré toute intervention ça yo mon yo était toujours et encore sous soif yo yo pour autant des chefs police là donc nous estimé que il était opportun pour nous te parler avec nous et hier nous font intervention et public qui et sous toute station qui dans toute même sur les réseaux sociaux et ou senti que mon yo t'attend ça il y a la parole d'un côté mais mon yo même y a tant d'action tout et bien content ou dit nous témoin nous ouais gros déploiement des agents de l'ordre des dans la rue c'est de bon augure et c'est ça justement nous m'a dit. Mais moi, Mounia, je vais rentrer dans les détails. A remarquer que nous, nommément cité, y ont ensemble d'institutions qui souvent qu'on cible fauteurs de troubles. Nous rassurer, ils n'ont pas gagné. Et nous passons instruction pour ça. Et nous avons un plan qui explicite, bien élaboré, bien défini. Tout le monde a une responsabilité. Et nous assurer à ce que tous les responsables de police, les responsables des unités spécialisées, les directeurs départementaux, les directeurs centraux, les inspecteurs généraux, tout le monde impliqué, engagé. Je vous dis, c'est pour affaire Gédéon Michel-Ange, c'est pour affaire et pouvoir en place ou à défendre, c'est pour affaire et monde qui est dans l'opposition à défendre. Je vous dis, il est question de Haïti, bon, c'est des autres, nous ne pouvons pas tolérer. Pour rien au monde, nous ne pouvons pas quitter au fait. Il n'est pas bon pour l'image du pays. Et même les gens qui prennent la rue, ils sont conscients. Il n'est pas bon pour le pays. Comment est-ce que la police est? Écoutez, la responsabilité première, c'est assurer que les gens sont mieux motivés, même lorsqu'ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles. Et morale, est-ce que le beau fixe lit de responsabilité tout responsable de commissariat, tout directeur départemental, pour yo bâtir une relation avec éléments qui sont terrain, pour le pas bay perception que lui-même les poukol dans la rue, et que l'on bay passé mal ou ap livrer dans sa cuisse. Et de fait, li facile, chaque fois qu'on bay qui arrive, vous y police aller, puis nous-mêmes nous aller quoi non. Faut que vous a senti que chef li campé d'elle. Et je vous dis, c'est ça qui a dégagé. Ma poune est avec vous. Moi, représenté pour éléments PNH, yon référence, yon modèle. Et c'est ça qui fait moi me condamner pour me réussir. Me condamner pour me faire de bonnes choses. Parce que tout a gardé, tout a contrôlé. Tout a espoir tout yon jour, yon ka sorti agent de yon directeur général. Si yon été dans la ligne que moi-même m'en été. Donc, fort de ça, je dis, malgré les contraintes, malgré les problèmes que moi-même j'ai fait face, yo même yo dit tête yo, même si bah là difficile pour nous, mais peut-être chef nous en met maintenant par cœur pour y réussir. Et fort de dernier détail ça que moi là capable dire tout nèg gonflé vin yo, moi à yo prêt, yo pral goumen pour capable traverser toute préoccupation ça yo et dissiper tout doute que mon yo ta capable gagner. On l'a prouvé avec les récentes élections. Et élections faites, la PNH était présente. Oui, la ministre était là, mais la ministre n'a pas tout côté. C'est PNH qui t'a assuré sécurité et tout le monde compte comment ça t'est passé. Si vous avez parlé de l'autre détail dans de mauvais termes, mais en matière de sécurité, la PNH t'a joué pleinement contribution et ça a bien été. Ou prend les activités culturelles qui drainent un paquet de monde pour le carnaval. Et pendant 2 ans, ça là, au CAI et à Port-au-Prince en même temps, en 2017, 0 mort. 2018, sous Port-au-Prince, 0 mort. Ça montre que PNH, lorsqu'il s'agit de grands événements, il est toujours monté que là, la hauteur. Et pour type d'événement, ça, il y a demain. Pas de panique. Pas de panique. Je dis à moi que c'est directeur SWAT là qui c'est directeur SWAT là qui l'a je dis. Bon, c'est coïncidence. Est-ce que ça t'a lui dit ah bon nous sous bataille non c'est coïncidence. Normalement est-ce que toutes les unités spécialisées de l'institution
il y a mobilisé demain. Tout le monde net. Pas rue. Demain. Non, il y a des unités, alors excusez-moi, il y a des unités qui ont dit que qui pas obligé de sortir dans la rue pour comme si si pas une nécessité. Non, soit c'est seulement DGA qui a déplacé. Donc les vols dans la rue c'est déjà mis dehors. Justement, c'est pour nous capable renforcer ou bien rassurer mon yo qui fait que il y a des décisions exceptionnelles nous obligé prendre. Et m'a dit très honnêtement a priori et journée 17 là pour nous même c'était une journée comme tous les autres jours. Mais là on regarde ouais même des autorités accorder une importance particulière à cette journée, pas seulement parce que c'est nous pour commémorer la mort de Dessalines et qui c'est pour moi-même qui sont triste date dans l'histoire pays nous. Donc pourquoi faire de demain une autre date triste encore? Donc tellement nous gain vacam gain bruit gain pile parole qu'a parler, donc ou même tout venir dire hey, est-ce qu'on pas obligé pour un petit bas en disposition en plus par rapport à ça? Mais écoutez, mais nous-mêmes suivant compréhension, nous suivant nous pas né de la dernière pluie, donc nous con réalité pays 17 c'est un jour même là tout jour. Sauf que il y a monde qui a gonti désaccord par rapport à son jour même j'ai tout l'autre jour. À preuve, il y a un agent blessé par balle et selon l'information qui est disponible, c'est des de paraître sous une tentative de barricade que des individus armés tapis entreposés sous chaussée, hein, déposés sur la chaussée, et c'est à ce moment-là que l'y a atteint de projectiles et la police, en fait, patrouillant, t'a semblé pas la seule qui était cible d'attaque de bandits hier soir. Écoutez, donc, et c'est justement dans la série de menaces qui fait pour journée. Hein. Donc c'est ça qui fait que quelqu'un qui a dit, il n'est pas trop d'accord avec DGPNH, s'il dit 17, c'est un jour ordinaire que le palier. Bah, du son jour ordinaire, pas les noms du son jour, mais il y a toujours. Oui. Nous comptons gagner des jours ordinaires, qu'on gagne des mouvements que nous avons gérés. Donc, et alors. Ordinaire, ça, c'est moins dire. Ok, ça pour comprendre. Dire. Ça pour comprendre, et je ne vous dis, hein, lui mettre son roche qui lançait la bon en connotation. Donc, nous avons des policiers qu'on a habitué victimes déjà. Mais il n'y a pas. Associer la type de bail ça donc et, est-ce que plan pour demain hein? Est-ce que le national et, écoutez et, nous pas la police seulement la police du Port-au-Prince nous gagne la police nationale d'Haïti donc toute disposition nous prend sur tout territoire pays hein? Et l'ouest en particulier parce que c'est côté où défi énorme c'est la plus forte concentration du monde c'est la toute grosse institution, grosse entreprise jouye, c'est là qui a plus de défis, j'aime se dire. Il a comparé le taux de criminalité, d'homicide, de kidnapping. Et l'Ouest, pourquoi il consomme 80%. Donc l'autre 20%, il partage au niveau des régions. Donc qui fait que nous, gonfler 20 noms en pile sous l'Ouest, mais c'est des décisions sur tout l'étendue du territoire. Je dis à effectif la police qui s'allie. Elle y a voisiné 15 600 et pas qu'à bon un chiffre exact parce que son base quotidienne il y a des mouvements qu'a fait dans personnel là. Il y a des monde qui allant mise en disponibilité, il y a des monde qui démissionné, il y a des monde qui révoqué, il y a des monde qui a répondu question au niveau instruction générale pour des infractions diverses. Donc pas qu'à bon chiffre exact mais il y a voisiné les 15 600. Est-ce que directeur PNH a une idée de quantité de policiers qui affectés par exemple à des VIP parlementaires ministres directeurs généraux et ou une idée de combien nombre t'a doué à voisiner entre 600 et 800 parce que VIP qui pas en activité encore comme ministre ou sénateur, mais qui a droit tout à certaines sécurités pour son certaine période. Donc, non blanc li avoisiné les 600 à 800 policiers. Non, il y a un pays côté que il y a un problème de sécurité de temps en temps. Entre 600 et 800 policiers affectés à la VIP, il pas trop. Et moi-même, pas, je
Il y a une incidence quand même sur le personnel PNH. Et, mais en attendant que nous-mêmes nous joignions une formule pour nous capables d'adresser ces questions, est-ce que nous, autorités, sommes obligés à l'acheter ces services-là? Parce qu'il y a des agences de sécurité de la place qui offrent ce type de service-là. Ou bien est-ce que PNH peut définir une stratégie pour être capable de gérer les questions de sécurité via IPO? Mais là encore, c'est des démarches qui sont à l'étude. Pour dans un futur qui est très proche, nous capables d'adresser convenablement la question ça. Michel Angédéon. Alors ça te compte préoccupant. Mm-hmm. Peut-être c'est pour nous capables de pour ton petit correction par rapport à ce qu'on dit, hein, ou du moins s'éclairer l'antenne. Et qui compte déranger nous, c'est lorsque ou cap joigne un VIP qui gagne un nombre qui excède les normes. Mm-hmm. Normes, c'est combien? Il varie suivant. Position mon dans l'état, on directeur général l'état de gain youn le maximum 2, on ministre 2 maximum 3, mais on capable joindre bon ministre qui gagne 10 à 15 policiers avec. Mais les conseils comment faire pour joindre? C'est pas vous même qui mande, c'est pas vous même qui adressé demande là. Nous avons essayé mettre l'ordre là-dedans, gagne des autres qui fait parfois gagne des contacts qui fait directement avec responsable unité à directement. Il y a des contacts qui fait directement avec responsable du commissariat sans passer par la hiérarchie. Il y a des contacts qui fait toi directeur départemental là et prend des décisions. On est assez leur fait contrôle non niveau puis on vient rendre compte des écarts ça. Et il y a des corrections de porter. Mais on est d'accord avec yon institution qui de taille de 15600 monde. Et lui demander une très très bonne gestion de ses ressources pour capable justement identifier ensemble de problèmes et corriger à temps réel. Mais grâce à coordination départementale là, que l'inspecteur général Calan Boucher était responsable à un certain moment, nous t'est arrivé mettre des système en place pour nous capables de gagner un meilleur contrôle de nos ressources. Et c'est là que nous devons rapidement voir la disparité des nègres qui ne travaillent pas mais qui ont touché, des nègres qui doivent affecter un côté mais en service détaché en dehors des normes. Et c'est avec le système ça nous arriver à porter correction. Et nous capables de dans le dernier jour, ça, nous retourner plusieurs millions de gourdes au niveau du ministère des Finances. Et moi-même, moi signé pas moins de 1500 à 1800 lettres de résiliation de contrat. Pas pour des gens qui en activité, mais c'est des gens qui actifs dans le système noir, mais qui va même retrouver dans le pays. Donc, faut que tu mettes l'ordre dans ça et qui t'a continué à toucher. Donc, des millions de gourdes. Et dernier montant que nous retournons en l'été avoisiné, 41 à 42 millions de gourdes. Et c'est justement avec montant ça que nous arrivons et éponger ou bien payer toute unité spécialisée au prime de risque. Et c'est avec même montant ça à tout que je dis en nous a payé et contractuel yo et monde qui nouvellement nommé en institution. On bon petit pause le temps pour nous respirer directeur Michel-Ange Gédéon et puis n'a tourner pour nous l'autre point d'actualité pendant que n'a rappelé contexte interview matin c'est 17 octobre. C'est 17 octobre. Parfait. Bien que on dit que c'est 17 octobre en 2018, c'est une date même genre avec toute l'autre date. Définitivement. On ne peut pas ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le directeur général de la PNH, monsieur Michel Angéléon. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci aussi de l'intérêt. C'est directeur général police nationale, Michel-Ange Gédéon. Alors, commissaire divisionnaire. Alors, il faut me dire qu'on a travaillé sous loi organique PNHA pour nous capables. Non, mais pour vous-même. Pour résoudre la question de grade là. Alors, selon la nouvelle loi que nous-mêmes nous avons payé, travaillé sous l'amendement loi organique PNHA, nous avons dit que c'est commissaire général. Mais pour l'instant, nous, garde inspecteur général, son inspecteur général, même genre avec tout l'autre inspecteur général, avec fonction du directeur. Inspecteur général, est-ce que c'est lui-même qui pique au garde là?
je dis. Suivant la loi organique PNH, grade, dernier grade PNH, c'est commissaire divisionnaire. Mm-hmm. Mais depuis quelques temps, où est que vous faites de fonction d'inspecteur général là, yon grade. Donc, il vient de faire que moi-même, son inspecteur général, et avec fonction du directeur général ou commandant-chef de la police nationale d'Haïti, ou bien les 6 inspecteurs généraux plus l'inspecteur général en chef dans le niveau inspection générale, ou bien les directeurs centraux, les 3 directeurs centraux, on dit 4 directeurs centraux aujourd'hui, hein, et directeur central de l'administration des services généraux, ou bien directeur central de la police administrative, directeur central de la police judiciaire, et je vous dis un directeur central de l'administration pénitentiaire. Donc, il y a même tout, il y a gagné étoile grise là sous Doyo qui dit son inspecteur général. Lui, et directeur Michel-Ange Déon, comment rapport il y a avec le président? Bon, très bon. Très bon. Très bon, et j'en ai toujours dit. Plus jour passé, plus année passé, c'est plutôt autorité comprendre nécessité pour yo établir de bonnes relations avec l'institution policière et qui lui-même gagne effectivement mission pour sécuriser vie à bien tout le monde. Mm-hmm. Donc bon, c'est bon. Sans trop de détails. Moi, je parle avec le président dans la visite que tu as fait. Ou tu es empêché ou pas? On parle de visite dans le commissariat. Bon, alors. Et normalement, je suis doué là. Okay? Normalement, je suis doué là. Et lorsque DCPA a venu communiquer une information sur visite, et le président a opéré au niveau de certaines unités de la PNH. Et il y a deux petits problèmes qui étaient posés. Le premier problème, non, c'est que là où je dis que je vais envoyer la machine dans le garage parce que le monde est rentré sous la machine, mais il crase pas la net. Non, on parle de qui machine? Machine PNH, machine police, ça même. Et machine de travail, moi. Donc, pour bien voir. Il n'y a pas écrit la police là-dedans? Ah oui, il écrit plaque numéro 1. Machine qui est entrée sous l'île, c'est freine perdu ou bien. Non, on a fait un bac et puis tout. Son bac. Enfoncé tout porte, moi. Alors, on a retourné sur la question. Nous voyons le langage. Donc, maintenant, il faut que nous joignions l'autre véhicule rapidement pour nous être capables de résoudre la question. Et dans l'intervalle, et peut-être autorité pour prendre pour acquis que tout arrangement est en fait. Mm-hmm. Bon, là nous venons nous compte que nous pas bien temps arrivé à temps et nous t'assurons à ce que le directeur central de la police administrative, l'inspecteur général Calan Boucher lui-même était représenté nous dans tournée ça. Vous confirmez que il y a des enveloppes de 30 000 gouttes qui étaient distribuées à des policiers, vous confirmez ça? Moi pas au courant. M'entendez le même genre avec vous. Même capable dit où? Et dans le dernier entretien que j'ai eu avec le chef de l'État, il a dit que pendant l'arrivée sous place, il y a des problèmes mineurs, du genre que problème batterie, problème caoutchouc machine, que le commissaire a adressé l'idoplité tout, et adressé sous place. Mais et à aucun moment de la durée, il n'a pas parlé avec moi que le bail à des policiers et dans le commissariat. Bon, et en quitter point ça, je dis là, il y a un pile haïtien qui a un gros cœur sauté par rapport à la quantité d'armes qui a circulé dans le pays, des armes qui a passé sous frontière, des armes qui a sauté Miami. Je suis au courant que il y a un citoyen qui a jugé récemment parce que monsieur était impliqué dans la question de faire entrer. Trafic d'armes. Et trafic d'armes. Et bon, par contre, il y a un rapport avec les Américains, mais quelle information qui a révélé là-haut? Par rapport à flot ZAM qui a rentré en Haïti et surtout par rapport à dernier ça qui s'est passé à Miami. Okay. Est-ce que vous avez des ZAM? Ok, nous connaissons que la question de circulation d'AM en un pays en liberté est une grosse préoccupation. Et c'est justement la lecture que nous avons fait qui a porté nous à créer la police et frontalière terrestre.
bien que dans le niveau loi organique PNHA, nous plus à parler de police des frontières. Parce que lorsqu'on parle de frontières, il ne s'agit pas uniquement de frontières terrestres, ou bien maritimes, ou bien aériennes. Et l'unité ça a été créée. Li déployé, li gen un double objectif qui fait que nous-mêmes nous t'écrire. Il y a quelques mois de cela, gen un média international qui t'a fait sortir un article côté que l'État montrer combien cob l'italien l'a perdu rien que au niveau des frontières. Et présence monsieur Mio t'a contribué à côté de monsieur Douanier yo nan et récupérer yon certaine partie de montant ça que nous-mêmes n'a perdu sur frontière là. Mais création unité ça a tout les rentrer justement dans logique de lutte contre et crime transnational organisé. Parce que ou pas sans savoir que gagnent des échanges qui a fait entre Haïti et des pays voisins. Et par exemple la Jamaïque qui a beau marijuana ou même moi balsam. Dominicani échange armes, motocyclettes et drogue. Il trafic moun et ti moun qui a prendre au niveau frontière et qui casse à légion au niveau et wanamet. Donc faut si l'état lui-même li lan pour prendre des dispositions, mais nous même au PNH faut nous te faire preuve de proactivité rapidement, nous te mettre nous créer unité ça en institution qui c'est la police frontalière. Et nous sommes présents aujourd'hui à wanamet. Nous présents et à Malpass, nous gagnons deux autres promotions qui encore à l'école de police qui pral déployer Belader, bien que nous gagnions une certaine représentation dans niveau en sapite. Mais ça pour mon yo konnen officiellement nous gagnons 4 points de passage que la police là non m'a parlé de en termes de frontières qui existaient entre Haïti et Dominicaine. Gè 4 points de passage officiels. Mais gè n'importe 80 non officiels. 96 non officiels qui gagnent, gè 32 là-dedans machine cab qui accessible à véhicule. Et l'état pas présent. Donc on comprendre que les simple pour gagner préoccupation ça, question trafic d'armes, trafic drogue, trafic monde pour l'été on préoccupation. Mais est-ce qu'on pas craindre on le quand nous arrivons dans une situation côté que chaque haïtien gon 9 mm borini ou gon pas connait gon zam borel parce que tellement pral gagner. Mais ça beaucoup problème. Jodi an ça nous même n'a pas fait c'est contrôler porte d'entrée et de sortie pays. Les ports, les aéroports et les frontières terrestres. Ou après nous renforcer présence nous renforcer présence tout au niveau des frontières terrestres. Renforcer capacité nous au niveau des ports. Et renforcer présence surtout au niveau des aéroports. Et Mabdou, ça pas nous étonner aussi Mabdou, dans semaine qui se passe là, nous fait des saisies de cocaïne au niveau de l'aéroport international Toussaint Louverture. Donc c'est pour montrer malgré qu'on est là, mon yo prend chasse quand même. Donc et moi saute d'où c'est pour ça problème non. C'est parce que justement pendant n'a prend disposition ça nous te dit tête nous en nous ouvrons fenêtre pour nous permettre moun gen zam vinn légaliser zam yo moun gen zam nan c'est vrai mais on dit processus là compliqué non bon alors écoutez il pral dépend si ou croit nan mouvement sous côté la compliqué parce que nous fait notre souti nous dit li pa koute on goutte bouvel bon ou même ou remen route qui facile ou al koute on sécurité on police dans sécurité on VIP yon police qui affecté dans direction générale ou bien yon policier tout court ou bal papier avec un petit comme bon rien n'est qui dit c'est 200 500 dollars américains ou bail pour alors que son bail qui fait gratuit. Non mais écoutez directeur est-ce que jodi an là ou gon idée est-ce que donné ça yo archivé oh si oui est-ce qu'on est combien d'armes qui ont alors on a parlé de armes légales okay. Combien d'armes que la police nationale autorisée circuler en Haïti OK avec de façon personnalisée jusqu'en 2017 nous avons recensé pas moins de 35 000 armes que nous-mêmes nous enregistrées
que nous que mon autorisé circuler avec lui. Voilà. 35 000. Bon, on est... bon alors, on parle de 2017. On connaît en termes de armes illégales, il faudra multiplier par 10. Possible. Possible. Mais c'est justement ça nous-mêmes nous devons contrôler. Faire en sorte que mon lui-même ne vienne régulariser, légaliser ou régulariser la situation. Au moins, alors, problème, Gézam n'a pas de problème. C'est où Gézam n'a pas qu'on est. Donc, je dis, j'ai besoin qu'on est. Qui fait que mon vif est net, ça me dit que nous devons légaliser. Donc, on connaît qu'on y a empreinte, ZAM, côté lié, n'importe ça fait là, on qui est-ce qui fait là. Directeur, est-ce que. Gon loi qui autorisait des policiers circuler avec véhicule sans plaque ou bien des particuliers bon tu m'amènes sous de policiers seulement est-ce que gagnait une loi qui autorisait des particuliers ou des policiers circuler avec véhicule sans plaque je crois que quand on va poser une question on y répond ça et si loi existe tu apprends tout donc ça va exister je dis en demander pour nous exercer et un meilleur contrôle et faire en sorte à ce que loi autour nous-mêmes non seulement nous appliquer nous faire respecter et mais ça qui compte plus douloureux pour l'élément policier lui-même c'est là pendant les sous point de contrôle là il rété une machine sans plaque et puis policier ça demain il transféré pendant que l'a fait job il a réprimé une infraction une contravention parce que moun sa li violé et code de la route là et puis qui est-ce qui est victime c'est lui-même il transféré donc comment qui est-ce qui gagne autorité pour transférer non mais moi même qui va le transférer là pas qu'on raison de faire dans là c'est après la police a fini transférer me connais c'est parce que le débat mon contravention parce que moun nan t'es enfreint code de la route t'es violé code de la route là donc le policier lui-même n'y était là gardé. Excusez-moi DG. Aidez-moi à comprendre mieux ce dire. Un policier dans exercice travail li, il sanctionne un monde. Et à quoi le fait que sanctionner mon nom lui-même il sanctionner oui, en retour. Oui, ça a toujours fait. Donc on a goumé contre lui mais il tout fait. Donc, les, non, mais comment ça fait? C'est Mounsa qui relève. Mais c'est gros chef, et pas moi le relève, non. Il est gros chef. Il est relève. Non, mais c'est pas. Commissaire. Qui est-ce qui est autorisé transfert le monde? Transfert une fête classique. Et retour, ouais. Et responsable pour ça, il dit, vous voyez Mounsa aller balter l'autre monde. Bon, écoutez, c'est résultat ou dit pour Negla Bow. Negla a besoin des éléments pour bal résultat. Donc, ou même, ou comprendre que c'est pour ça le mandat de transférer mon nom, c'est après les policiers à le transférer. Living comme DG lui-même, n'a gagné une journée que lui baptisé comme journée pour policiers dans ce semaine. C'est pas dans l'église Alvin Koto, l'abdou DG, mais au fait transférer là, c'est parce que tu as telle autorité, c'est laisse au vivre une situation. Mais laisse avoir nous les transférer. Mais c'est pas tout policier qui a une chance pour yo qui même connaît, faut que yo kavin, yo kawak DG. Ça te connaît au bingo mais ça te pas connaît pour diable yo prend transfert yo mais yo victime bon, ben, a, le nèg c'est dans le cas oh, bon ça nous m'espère ou elle peut-être policier n'a goumé pour nous coger policier qui suivre nous là tout yo voit que et moi déplorer le tout mais il y a l'autre problème tout yo qu'on dit monsieur qu'on a fait il abus tout par exemple gont gens policier qui a fait circulation partout hein yo qu'on ont gens parfois qu'on a pas sur les médailles tout au volant li dans l'ordre du possible pas oublier c'est type pays type système type mess yo pas changer un bon matin écoutez moi même police a 23 ans moi même moi j'ai 2 ans directeur général tout bagage ça yo pas corriger un bon matin mais grand pile faut qu'a fait pour me corriger nous gon directeur circulation là très dynamique et pour bagage ça au changer li mandé faut gagne un changement tout dans façon d'abjé mon dieu faut un changement dans niveau cadre intermédiaire faut gagne des changements fait au niveau leadership qui sont en tout parce que ou même si autre pour bagage qui modèle là si autre pour voir signal là si ou même on va faire négal va tomber dans des autres parce que c'est où la suivre bon auditeur qui dit me dire que pour qui ça n'ont pas fait des annonces radio pour informer mon dieu sous par exemple qui ça doit faire si pour
légaliser ZAM, mon ZAM pour bien. C'est public, c'est public, c'est public. Bon, écoutez, c'est une administration PNH qui aussi, qui est très présente au niveau des réseaux sociaux. Mm-hmm. Nous gagnons des, tout ça n'a pas fait, nous poster, nous afficher, nous distribuer au niveau des médias. Ils mm-hmm. connaissent ça pour vous faire. Si vous allez sur compte Twitter ou bien et Facebook PNH, ou bien sur site PNH, lui-même, il y a pour vous. Tout ça pour vous faire, ni pour intégrer l'institution, ni pour capable régler les questions vite, ni pour capable régler les questions et permis pour dames. Il y a deux ou trois petits points rapidement d'abord avec vous. D'abord, qui j'en entend résoudre dans l'immédiat la question de transfert, autorité qu'après l'eau, kap, en fait, qu'après les commissaires, qui fait transférer policiers, parce que les policiers a fait travailler les sanctionner au monde. Qui j'en entend rapidement résoudre problème ça. Non. On va voir l'autre question. Eh ben problème ça pour le résoudre. C'est le fait transfert au fait suivant priorité et vision et hiérarchie. Donc là où il y a direction personnelle, direction personnelle pas qu'à décider pour des transferts. Bon. Mm-hmm. Transfert au fait suivant. J'en ai même nous comprendre bagarre là. Mm-hmm. Par exemple, on va le partager avec vous. Il y a un constat que nous fait. Il y a des endroits où vous mettez vos policiers là. Après quelques jours, tu par un policier encore, malgré tu fais attention à vous. Mais tu n'as pas les mérites dans la zone. Donc, l'APC est défini avec direction personnelle, service recrutement, qui formule nous capables de joindre pour le nouveau policier dans une zone pour vous arrêter. Et une formule que nous voulons expérimenter, c'est faire recrutement de façon et par quota au niveau des régions. On est sur grandeur, on dit bon, pour grandeur, on apprend 10% ou 15% de effectifs qui peuvent rentrer dans l'académie. Donc, nous connaissons les gens qui ont formation, nous avons retourné dans la grandesse. Les gens qui peut-être sautent les IWA, ils ne travaillent pas les IWA, ils travaillent et mourront, ils travaillent chambellan, ils travaillent de l'autre côté, mais au moins ils étaient dans le département. Parce que lorsqu'on prend les l'Ouest, ou voyez ils ont fait des marchés vers un détachement, ou bien fait des marchés vers un transfert, ou pas gen moun nan zone ça. N'ap ici mais détachement c'est en général parlementaire, ministre, directeur général. Non, toute autorité, toute autorité. Et Michel-Ange Deyon, directeur général police nationale, gen une pratique que en pile citoyen commencé à déplorer. C'est le fait que des policiers affectés dans des commissariats prennent plaisir à livrer des moun à la population au fin de lynchage. Récemment, il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce que je vais confirmer si c'est vrai, authenticité? Non. Est-ce que son bagage qui fait passer? Non. Mais l'information, c'est qui ça? C'est que vous avez mené au monde, aller, vous avez accusé de sorcellerie, policier. Yo, alors, image que vous avez gardée, hein, tu as livré individu suspect, en quelque sorte, à la population et aux yeux des policiers, aux lynchés sur place. Ça qu'on fait déjà dans d'autres commissariats, côté par exemple, on fait un accident, soit on met du feu dans la machine, non, ou bien les populations font pression sur les policiers, la police livre mon nom. Est-ce qui ça autorise un policier fait ça? Est-ce que c'est. Qui ça a fait tout, surtout pour éviter que ça continue? Ok. La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la hiérarchie, nous-mêmes n'avons pas encouragé la pratique ça et nous toujours sanctionné jusqu'à la dernière rigueur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pour cas ça va parler hein, et une fois que nous-mêmes nous recevons et vidéo hein, et par l'intermédiaire d'un ami qui est lui-même dans même métier avant et nous communiquer à équipe nous et coordination direction départementale CRO IGPNH dans minutes qui suivent message ça que me dévoué rapidement retourner dire mais qui côté le passé. Et l'inspection générale de la PNH l'y saisit de questions. Il a enquêté sous lui pour capable remonter à moun qui impliqué là-dedans. Et enquête ça li gen yon double portée. Il y a gen portée administrative là qui c'est enquête inspection générale là mais gon portée judiciaire tout DCPJ à la justice parce que moun sa yo ki lynché moun nan yo même tout yo pas exempt de toute poursuite. Donc enquête là mener dans ce sens ça. Mais alors ça moi même moins voulais attirer attention sur lui.
Parallèlement au niveau de la PNH, on a pris des dispositions pour nous corriger un ensemble des cas à l'interne, notamment question policiers de cap agressé monde pendant la contravention. Mais il faut que le public là connaît que PNH, au grand contraire de toute l'autre institution de gang dans le pays, lui-même les dotés d'outils et de moyens à travers Chanel que nous l'inspection générale là pour nous capables de résoudre problème du comportement qui pose en force ça. Donc on monde ou victime de un abus ou bien de un comportement que ou pas apprécié ou cabale dans l'inspection générale. Ou rapporter n'a identifier monde et n'a pas sanctionner Jean règlement de discipline générale là dit nous pour nous sanctionner par rapport à faute que lui-même ni fait. Mais moi je veux attirer attention sur un autre détail. Nous même à l'interne n'a fait job pas nous mais de l'autre côté tout gon travail en profondeur pour faire. Ou pour une zone côté que bon kit opération était planifiée, kit dit pas bien planifié, mais gon intervention qu'elle fait, machine police brûlée, policier sauvé de justesse et zam récupéré nan men nan saisi nan men policier yo et puis ou garde ouais là où tchot. OK. Donc et ben c'est dans même zone là bah ça passé tout. Moi je pense qu'il y a un travail en profondeur pour faire de sensibilisation parce que faut que moun yo tout yo gon on l'autre façon pour comprendre bagaille yo. Jodi un moun que moi il travaille dans communauté pour là. S'il chargé pour sécurité vie ou à bien mais sécurité parle sous compte tout. Gon zone qui te gen commissariat, moun yo levon bon matin yo brûler commissariat parce que gon policier te tiré mal. Des pour policier mal comporté à l'inspection générale, pratique ça il n'y a pas existé encore. Aucun côté. C'est nous qui continuons avec eux, mais ou pas bon. Ou débarquer, ou bouler machine, ou bouler commissariat, ou prendre policier mieux en chasse, ou même lyncher policier. Après, je dis pour autorité dans la ville, ça, a bien fait des marches bon côté pour mal construire commissariat dans la même zone encore. Qui garantit rien? Eh bien, maintenant, je ne peux pas justifier le comportement policier qui remet le monde. N'a pas fait travail par nous pour nous sanctionner. Pour nous identifier et sanctionner. Mais maintenant, nous, l'autre niveau, faut qu'il n'y ait pas là. Ce n'est pas normal. Parce que nous suspectons que nous bagaille, nous débarquons en nombre imposant, côté de 3, 4 policiers. Si nous n'avons pas de monde, nous avons plein de choses. Si nous n'avons pas de monde, nous avons boulé le commissariat.